Un but partout à Oando, la Soto a été tenue en échec par El Merriekh du Soudan à l'occasion du match aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions joué ce dimanche dans le département de la Cuvette. Le coach Alou Badra analyse cette première sortie de la Soto. Je pense que le facteur compétition nous a beaucoup gêné hier parce que nous avons quand même, depuis le mois de mars, il n'y a pas eu de match officiel. On avait prévu des stages partout et à cause du Covid, on n'a pas pu partir. Mais bref, on a une chance à saisir, c'est 1-1, ils ont marqué sur nous. Et on va, vu le potentiel qu'on a, on va essayer d'aller, de les attaquer et de faire là-bas. Parce que chaque match a sa vérité. Les jaunes et bleus qui se rendent au Soudan demain pour le compte du match retour devront surmonter les aléas du climat, mais aussi se présenter en commando pour tenter de se qualifier. Oui, c'est très chaud. On va jouer à 15h, nous va jouer demain à midi et à 14h dans la pointe noire. Avec les décalages horaires, les gens vont se reposer. Et tâter le terrain les jeudis à 15h et jouer vendredi. C'est un marathon. Pas facile. Mais on a opté pour ça. On s'est mis tout seul dans ces difficultés. C'est à nous qu'on les fait. Et bien faire là-bas. Concernant le banc, il se porte bien, a indiqué Alou Badra. Tous les joueurs ont disputé une partie de la rencontre. Le coach Badra espère qu'ils se battront jusqu'au bout. Bon, nous sommes obligés d'aller chercher la qualification là-bas. En marquant vite, en marquant comme ils l'ont fait chez nous. Uh-huh. Hier, je pense qu'ils ont, ils ont marqué et nous avons eu beaucoup d'occasions. On n'a pas pu scorer. J'espère seulement que la chance que nous a fui à Wando, nous l'aurons là-bas. Ensuite, on a découvert cette équipe. Bon, moi, j'avais déjà regardé leur match contre les Ghana. Signalons que la Soto se présente pour la troisième fois en Coupe africaine.